Good morning, Alaïdan et Tusra aujourd'hui, le Lunishmat, Chaya Esther Bat Miriam, ce que dire Fouat, Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Hamshat Miriam Bat Roslena, Bidamin Ben Chabiba, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez la Sacrée Éternelle, nous étudions la Sechat Shabbat, Parik Rafalef, Mishna Gimel, Bet Shamayom Rim, Magbihin, Mina Shulchan, Atsamot, Veklipin, ou Bet Yilel Omrim, Notel et Atavla Kula, ou Mena Ara, Mavirin Milifne, Ashulchan, Perurin, Pachot, Mikazait, Vesear, Shel Afunim, Vesear, Shel Adashim, Mipene, Shouma, Chalbema. Sfog, Imir Shlo Or Betachiza, Mekanchin Bo, Vimlav En Mekanchin Bo, Ben Kacho En Kach, Nital Be Shabbat, Veno Mekabel Touma. Première partie de la Mishnah en rapport avec les lois de Mouktse, de nouveau. Et on continue, on traduit directement. Bet Shamay Omri, Bet Shamay enseigne, Met Biin, Mina Shulchan, Natsamot Veklipin. On a le droit de lever de la table les os et les écorces, ça peut être des écorces de noix, de fruits, des peaux, tout ça en impureté, tandis que Ubatilel et Mourim, Ubatilel nous dit non, tu n'as pas le droit de le ramasser directement de la table, mais plutôt, dans tel est ta table là, tu dois lever la table. La table à l'époque c'était des plateaux qu'on apportait avec tout dessus, d'accord, les gens s'asseyaient par terre, et on apportait devant eux, ce qu'on appelait une table, ce qui est en fait un grand plateau. En tout cas, notel et ta tavla, kula, il doit relever toute la table. Tavla, table, toute la table. Et menahara, il la secoue, sans prendre les écorces, sans prendre directement les os qui sont posés. Donc on a une marloquette et son droit de déplacer les os. Maintenant, deux précisions super importantes. Tout d'abord, on parle des os, dont on parle d'os qui sont quand même, tant bien que mal, consommables par les animaux. C'est apporté dans le bar de Nora, je l'ai vu, je ne sais plus où. Faites confiance. Ah voilà, avalé exactement, ça a ici rapporté plus loin. Des chazou le machal behema. Afalgav de lo chazou le machal adam. Ils sont aptes à être consommés par les animaux, mais pas par les hommes. Mais si, toutefois, on n'a plus rien à faire, même pas pour les animaux, et ben, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de les déplacer. Même d'après Bet Shammai, il faudra lever la table comme tout le monde. Comme d'après tout le monde. Et, autre précision, il faut inverser Bet Shammai ou Bet Hillel en fait. C'est-à-dire qu'on a ici une Mishnah où Bet Shammai est plus permissif que Bet Hillel. Et en fait, la Gemara explique que c'est une marloquette, c'est la même marloquette que la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a Mukta Shabbat ou pas? Ouais, un vaste sujet, on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans plusieurs Mishnayot. Mais, et donc qu'en fait, que Bet Shammai, en fait, en réalité c'est Bet Hillel qui pense qu'on a le droit de lever la Samot et Kilipin, parce qu'ils ne sont pas franchement Mukta. Et voilà, et Bet Hillel, et Bet Shammai plutôt, c'est ce qu'il va, il va penser, ce que Bet Hillel dit en fait, que tu n'as pas le droit de le lever directement parce qu'il y a Mouktse, donc il faudra lever la table. Ensuite, on a la suite de la Mishnah qui continue avec le même principe en me disant Ma'avirin milifna shulchan perurin pachot mikazait. On a le droit de ramasser de la table même des petites miettes moins que kazait, c'est-à-dire même si c'est plus tellement consommable par les hommes, on ne s'amuse pas à manger des petites miettes éparpillées, mais on a le droit de les lever malgré tout. Parce qu'elles sont consommables a posteriori, puis c'est en plus ça du machal bema, comme la Mishnah veut le dire. Les sear shalafunim aussi avec des sear, en fait, c'est les écorces, les écorces, du afunim des petits pois, comme c'est en traduit en hébreu moderne, je ne sais pas si à l'époque c'est la même chose. En tout cas, c'est toutes sortes de légumineuses, il y a des écorces. Et aussi avec le sear shaladashim, les écorces aussi de adashim, des lentilles. Qu'en fait, donc qu'on a le droit de les déplacer, pourquoi? Parce que ils sont consommables par les animaux. J'avais une question sur ça que je ne suis pas parvenu à résoudre. Est-ce que celui qui parle, c'est que la vie qui a permis de déplacer les os, ou c'est d'après tout le monde? Ça n'a pas été précisé, j'ai un petit doute sur la question. Concrètement, ça revient en même, parce que la halakha est établie comme Bet Hillel, qu'on a le droit de les déplacer, donc on a le droit de déplacer aussi ceux-ci, même s'ils sont, bien qu'ils soient, même si, parce qu'ils sont consommables par les animaux. D'accord? Dernière partie de la Mishnah, Sfog, une éponge, alors d'abord je fais une grande découverte, ça va être grâce à la suite de la Mishnah en fait, les éponges de l'époque, c'était d'origine marine, c'était petite marloquette entre les scientifiques, est-ce que c'était un végétal marin, ou bien c'était un animal marin, mais en tout cas ça provenait de cette capacité à éponger, à absorber les liquides, c'est une sorte d'animal ou de végétal marin, ça va être important pour la fin de la Mishnah en fait. Pour le moment, on parle de déplacer l'éponge pendant Shabbat. Quel est le problème? Il y a un problème de sochet lorsqu'on va
là, puisqu'on va la déplacer pour absorber quelque chose, après on risque machinalement de la presser, et la presser à Shabbat, c'est interdit, on en transgresse un interdit de Mechabes, de laver. Et donc la Mishnah me dit, Sfog, une éponge, Imieshlo, Or Betachiza, si toutefois elle a une peau pour la tenir, c'est-à-dire que c'est pas qu'on a un contact directement avec l'éponge, mais elle est collée sur une peau, sur du cuir, Or Betachiza, j'ai pas exactement... pas tellement compris comment on se pose le cas, j'imagine qu'à l'époque ça devait être fréquent d'avoir une éponge avec une sorte de poignée ou d'accord, donc en tout cas on attrape l'éponge récurrent, on l'attrape par ce bout de cuir, et bien Mekan Khinbo, on a le droit de ramasser avec lui, pas de presser, mais juste de ramasser. Vimlav, mais si elle a même pas cette peau là pour la saisir, et bien en Mekan Khinbo, on n'aura pas le droit d'essuyer avec parce qu'on risque machinalement de presser. Alors que lorsque tu la tiens avec la peau, tu risques pas de presser. Ok? Et une certaine difficulté, c'est que finalement, quand la fête pleine d'eau, tu vas la prendre même par la poignée, tu risques sûrement de faire couler de l'eau. C'est assez vaste, si ça vous intéresse, regardez dans le Mishnah Brura, Siman Shinchaf, Seif, Yudzaïn, il rapporte la vie du Ravad, qui explique une différence. Et je préfère pas trop manger. D'accord? Pour le monde Rambam, il explique ça simplement, il explique que s'il y a une peau, tu risques pas machinalement de presser, alors que s'il n'y a pas de peau, tu risques de presser. Et on continue. Benkar ou Benkar, maintenant, que ce qu'il ait une peau ou qu'elle n'ait pas de peau, c'est-à-dire qu'elle ait une poignée ou pas. Nital be Shabbat, t'as le droit de le déplacer pendant Shabbat, comme nous le précise le Vartanura, que je suis un gouffre, il est sec. S'il est sec, t'as le droit de le déplacer pendant Shabbat. Ve enome kabel tuma, et il ne reçoit pas d'impureté, c'est-à-dire. Le Vartanura nous dit comme ça, denolokliet, c'est parce que c'est pas un ustensile en bois, c'est pas un ustensile en vêtements, en tissu. Vélo, sac. C'est pas non plus un sac, vélo matéchet, et c'est pas non plus un métal. Et en réalité, il nous dit le Tiferet Israël, il nous dit parce que Vechol Shebayam Taor, il nous rapporte que tout ce qui provient d'origine marine, des sfog ou af shel dagayam. Selon ce qu'il explique, lui, c'est que le sfog, cette l'éponge, elle est d'origine, c'est une af, c'est un sourcil de poisson. En réalité, c'est pas exactement un sourcil de poisson tel que c'est rapporté dans Wikipédia. Cherchez dans Porifera, je crois que ça s'appelle le bon mot. Cherchez éponge, vous allez voir, c'est les spongieux. C'est une. Et vous verrez, donc c'est d'origine marine, et puisque c'est d'origine marine, ça ne perçoit pas d'impureté. Comme ça, il nous rapporte le Tiferet Israël, même si c'est un petit peu discuté, donc Tiferet Yaakov, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.